Voilà, mais la musique du jeu. Hey, bien salut à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va nickel, comme d'habitude. On continue et on termine The Order 1886. C'est parti! Il doit rester quoi? Deux heures? Que Deux savez-vous heures des de Inuits? jeu? Deux heures et demie? Les ancêtres des Moins de Inuits. 3 heures? Une race ancienne née dans cet état normal. Eux n'ont pas été transformés. Ils Coucou ma sont petite femme dans disparus. le chat. Vous ne devriez pas parler d'eux au passé. Ils sont bel et bien les vôtres. La structure s'est effondrée! Ici! Galant chevalier. Je les ai déjà combattus à Dieu. Ah, je commence. Chapitre 9. L'India Compagnie travaille. J'ai pas eu le temps de Si lire. vous en êtes si sûr, montrez-moi des preuves. Je commence, hein. Les Tu vois, ne font que s'étendre. tu l'as mis à jour ta console. T'as vu, t'es déjà dans le stream. T'es sur portable? Ensemble, on pourra déplacer ça. Mais oui, femme. Quand vous voulez. Ouais, c'est moi qui vais pousser le plus, quoi. Ceci n'est pas du tout un chargement caché. Par ici. Voilà la sortie. Attendez. Il y a quelqu'un. Des ouvriers. Silence. Oh, j'avais oublié que le jeu était beau. Coucou. Tranquille, on va se les faire. Vite, à couvert. Qui va là? Cette propriété est privée. Oh, c'est la voix de ah putain, comment il s'appelle? Dans Assassin's Creed, là, le... Je sais plus. Dans Assassin's Creed Syndicate, comment il s'appelle le perso principal? J'ai oublié. Que je craignais. Jack, non? Il s'appelle Jack. Je suis Jacques. Perdu dans les tunnels. Et vous êtes qui? Un simple voyageur perdu dans cette ville infernale, on dirait. Pourriez-vous me dire où nous sommes? Blackwall Yards, quai de la United India. Absolument pas où je pensais. Ah oui, c'est Jacob. Putain, je suis vraiment un trou du cul. Retourner dans les tunnels? J'étais presque, hein. Tout de même plus simple de J'avais les premières route, lettres. Faites demi-tour, allez. Oh, le vieux son. Il fait une sieste. Déçu. Même s'il risque un mal de crâne au réveil. Oh, c'est marrant, ça. T'as une tache sur le front. Regardez, la rue est ici. La ville a grandi les quais. Il y a un levier de changement de voie ici. Donnez-moi un coup de main. Prête. Oui, non, mais c'est parce que j'ai confondu avec Jack l'Éventreur. Du DLC, justement. Le chariot est sur la mauvaise voie. Il doit y avoir un levier de contrôle. Remettons ce Parce chariot. Que justement, c'est lui, Jack l'Éventreur, donc Oh, et puis merde, ta gueule. Je me suis trompé. Casse pas les couilles. Quoi? Mais du coup, ça sert à rien, ça. Ah si, on est baisé? Hein? Ah merde. Bon, bah allez, aide-moi, femme. Oh là là, merde.
C'est bon là, non? Non, je suis obligé d'aller jusqu'au bout. Et voilà, allez, on recommence. Donnez-moi un coup de main. Prête. Je comprends pourquoi je mets deux fois plus de temps à le finir que la normale. Il y a des gens, ils l'ont fini en 5 heures. Mais... Sauf que moi, je fais tellement de la merde, il me faut le double. Arrêtez. Oh, qu'est-ce qu'on se fait chier là par contre? Ouais, il y a des fientes d'oiseaux, c'est bon. Ça veut dire qu'on peut escalader. Ok, ouais, non, mais c'est par là. Suivez-moi, mais attention, vous mettez les pieds. En fait, j'en sais rien. Non, on peut sauter à droite. Ça fait un peu loin, non? Vous foutez pas de ma gueule, hein. On n'est pas dans un Prince of Persia, là. C'est pas où? Non, c'est là-bas. On est d'accord. Oh, attends, hé, on va en faire une belle, tiens, tu me fais penser à ça. Ah, putain, ça marche pas, ça dégoûte. Ah, mais je l'ai pas activé. Faut le réactiver à chaque fois. Attends. Oh là là. Qu'est-ce qu'on se fait chier sur cette image. Oh, coucou Naughty. Oh, il est beau notre petit galade quand même. Il y a un vieux mode photo, mais j'ai pris la pire pose ever. Hop. Ça va sinon? Tendez la main. C'est con parce que là j'ai un peu envie de... Oh, ça rappelle tellement Syndicate tout ça là. J'ai un peu envie de me balader mais je sais qu'il n'y a rien. C'est triste. Mais oui. Ça va, ça va. S'ouvre la grille de l'intérieur. Là, je vous aide. Faites vite, une patrouille peut passer ici d'un instant à l'autre. Juste un peu de patience. Sniper! Ah bah bravo. Putain. Puis j'ai pas d'armes là, je suis dans la merde. Vous pensez toujours qu'on va les conquérir sans faire de victimes? Restez à couvert! Je vais m'arranger pour neutraliser ce sniper! C'est par là, non? Non, c'est pas par là. C'est pas par là non plus. Ok, c'est par là. Ah. Ah mais si, j'ai une arme. Si on peut appeler ça une arme. Vas-y, je fais ça après. En même temps, quand on me supprime sans me dire, normal que... Hein, voilà. Oh là là. Il y a un tas de cadavres juste là. Restez là pendant que je me charge du sniper. Garde neutralisée.
Aïe aïe aïe, je suis tellement le boss. Et l'autre? Je le vois pas. Oh, il court vraiment comme un pingouin par contre. J'ai jamais vu de pingouin courir, mais je pense que ça ressemblera à ça. Oh putain! Ah là là! Comment je peux me relever là? Je peux pas en fait. Le jeu a décidé que j'allais mourir. Non, c'est bon. Oh putain, une balle. Putain, mais alors c'est trop bien, dans l'or du jeu, ils ont trouvé le Graal quoi. C'est trop bien, c'est trop stylé. Je kiffe ce putain de jeu. Voilà, donne-moi une mitraillette là, respecte-moi. Le Saint Graal quoi. Ils ont trouvé des consoles nouvelle génération, ouais. Oh putain. Ils ont réussi à choper une PS5. Oh bordel, bâtard. Ça sent la grenade, ça. Bon, on s'emmerde là, on peut avancer un peu. Qui m'a tiré dessus? Oh le bâtard. Ça c'est méchant. Ça va être compliqué. Je peux pas monter là, ça aurait été bien. Oh les musiques. C'est vrai que j'avais pas trop remarqué hier, j'étais à fond dans le son des armes et tout, mais... Les musiques elles sont bien aussi. Oh putain oui, je peux prendre son arme. Ah là là, c'est moche. Ah, ce qui est triste aussi, c'est qu'il n'y a même pas un effet un peu brûlé sur les vêtements, quoi. On est en 2015, bon. D'où ma voix, elle est loin. Attends. En comme hier, en plus, j'ai réécouté hier, c'était nickel. Sur la rediff, on m'entend très bien. Tenez bon, j'y suis presque. La thermite dans un bâtiment, c'est peut-être pas une très bonne idée. Je vais devoir crocheter là, non? Même pas. Ou le QTE.
Oh. En avant. Ah, faut que je la couvre. Ah putain, oh, trop bien. Homme de la compagnie à terre. Avancez. Je me charge de vous couvrir. Oh, ça c'est cool. Alors restez baissés et ne bougez pas. Mais je peux pas avancer. Je peux pas sortir de ma couverture. Ah, parce qu'ils sont toujours là. Cible à terre. Allez-y, je vous couvre. Quel homme ce galade. Ah putain. Je t'ai cliqué dessus, t'es mort. Ah, ils m'ont redonné des balles. Eh, hey, je vous ai vu, hein. Il me restait que 5 balles, je passe à 15. Dites que je tire à côté, vas-y. Derrière vous. Ah, le con, oh le con, oh là là, oh le connard. Ah vite là, faut prendre de la potion magique. Mais il est trop bien ce jeu. C'est du pampan, mais c'est du Gears of War, du sous-Gears of War, mais l'époque est cool. L'histoire aussi, c'est avec les chevaliers de la table ronde, tout ça, tout ça. On aime bien tout ça. Le gras, c'est la vie, c'est pas faux. On en a gros. Allez. Je peux rien faire là en fait. Oh là là, oh là là. J'en veux pas. Non mais il l'a gardé tellement longtemps. C'est pas une promenade de santé. Bon sang, j'ai pas envie de plaisanter. Vous disiez avoir des preuves. Où sont-elles ? Patience, chevalier. C'est quoi ce scénario ? En gros, on cherche des lycans. On cherche des lycans, il y a une taupe dans l'organisation, faut qu'on la trouve. Il ne faut pas s'éterniser ici. Et il y a des armes un peu fantastiques. Il y avait une arme électrique qui était vraiment cool. Trouvons un autre accès. Fabriqué par Nikola Tesla. Ouais, des espèces de loups-garous, ouais. Et Perceval est mort. La United India Company s'étend sur le nouveau continent. Mais c'est pas grave parce qu'il a déjà trouvé le Graal. Parce que dans... Je vais quand même le dire, mais dans les histoires arthuriennes, c'est Perceval qui trouve le Graal. Et donc le Graal nous a donné en gros l'élixir de je sais plus quoi là, élixir noir de vie, mes couilles. Et c'est la petite fiole qu'on a et c'est ce qui nous permet de revivre quand on est mort une fois dans le jeu quoi. C'est un peu Sekiro avant l'heure quoi. Essayons le pont. Oh la pire comparaison. Nous nous rapprochons de la plateforme. Parce que voilà, les ombres meurent deux fois. Shadows die twice. Ça devrait être bon. Je m'en charge. Vous n'avez qu'à monter. Et puis si j'ai pas envie de monter, tu vas faire quoi? Le jeu s'arrête là si je veux. Bon. Allez. Qu'est-ce que vous attendez? Allez, montez. Ouais, t'as la vie éternelle, bah c'est un peu ça. Bah là, c'est juste... Tu peux survivre à des attaques mortelles, quoi. Donc c'est un peu la même chose, au final.
Allez, elle va me pousser. Puis il y a un français dans le jeu qui s'appelle Lafayette. Je vais me débrouiller. Mais oui, je peux, il y a des fientes. Regarde ça. Hop là. Qu'est-ce donc? Ah non, mais avec le reflet, je croyais que c'était une espèce de bouton qui brillait ou... Et puis là, je me casse sans l'aider. Ah, il y a un audio. Est-ce que c'est du lore intéressant? Ou c'est encore genre... des consignes à la con. 12 mai 1884. Aujourd'hui marque le 42e jour de notre voyage vers le nouveau continent. Ok, c'est intéressant. Monsieur Stanley est impatient de voir ce voyage se terminer afin de retrouver sa douce Afrique. Beaucoup de choses ont changé depuis son dernier séjour. Les sauvages de la région paraissent plus dociles et sociables que dans son souvenir. Attention, par sauvage, je ne veux pas parler des autochtones de cette terre mystérieuse qui constitue un peuple des plus merveilleux. Les sauvages dont je parle sont ces inconscients qui brandissent leurs armes à tout va et traînent dans les villes de ce grand continent. Nombreux sont ceux qui ont abandonné leur mode de vie et ont adopté des passe-temps plus civilisés. Nous nous dirigeons vers l'état du Nevada, un désert à perte de vue qui sera pour nous le chemin de la côte ouest de l'Amérique. Me voilà rongé par l'impatience et l'excitation à l'idée que dans 3 jours, nous serons enfin en Californie. Ok. Bon, c'est pas vraiment du lore. Enfin, si, mais on s'en branle, quoi. Ça nous apprend rien. Débrouillez la porte. En tout cas, le jeu a 6 ans. Et on croirait pas, hein. Après, il y a le jeu en 16/9, il triche un peu, hein. Mais bon. C'est quand même les boss. On y va à 3. 3. 2. T'as oublié de dire 3? Hein? Quoi? Attention! Je recharge. Tu vas où toi? Mais putain, mais t'es increvable en fait. Tiens, connard. Oh, je vais jeter en plein dessus. Mais genre, il a eu le temps de se barrer, c'est vraiment de la merde des grenades. Vous êtes pas prêts pour la guerre qui arrive là, les gars? C'est bon, pour le moment. Mais relève-toi enfin, t'as l'air d'un con, voilà. Fichons le camp d'ici. On va encore pousser des chariots. C'est vraiment un jeu à Naughty Dog. Ah non, c'est bon. Oui, bon, on passe à côté. Toujours mieux que de pousser, tu me diras. Rani, que fait-il ici? Davy, tout va bien. Parle sans crainte. Davy, vas-y. C'est comme ça. Mais ils ont tous des taches sur le front, mais lavez-vous, bordel! Combien? Plus du double des précédentes. Il rattrape le temps perdu. Cette cargaison ne doit pas atteindre les côtes du continent. Et puis, l'alerte maximale est lancée. Ils ont dit son nom. Ils préparent une réunion. Ce n'est pas encore perdu. Quel nom a été mentionné? L'un de vos chers lords. S'il assiste à une réunion, vous le verrez par vous-même.
Ils nous ont pas vus là? Vous foutez de notre gueule? Ça ne prouve rien. Lord Hastings est chambellan et impère, et il siège au conseil. Oui, il connaît donc les secrets de l'ordre, comme c'est pratique pour lui. Vous voyez des conspirations là où il n'y en a pas. Regardez la cargaison, nous verrons si j'affabule. Si j'affabule? Alors là, par contre, c'est... ça fait pas partie de mon vocabulaire. T'as si j'affabule, quoi. Elle a réussi à sortir ça. Allez, suivez-moi si je ne, si je ne m'affabule. Trop bien, j'ai connu un... Ça y est, je connais un nouveau mot, je vais l'utiliser tout le temps. Jusqu'à ce que... ça soit bien employé. Si je ne m'affabule. La reine de Jamzy. Je vous surprends encore, chevalier. La reine guerrière qui a pris les armes contre notre armée en Inde. D'après nos généraux, vous avez péri à Gwalior. J'ai toujours profité du fait qu'on me sous-estime. Je vais ouvrir. C'est un peu trop la meuf, elle, hein. Venez voir cela. Là, la cargaison est chargée. Il faut absolument éviter qu'elle ne quitte le pays. Vite! Let's go! Allez, là, je sais qu'il y a un combat contre un loup-garou, là, qui arrive bientôt, et je sais que les combats, j'aime bien ça. Et donc, il y a des super loups-garous qui s'appellent les Anciens. C'est des loups-garous vénères, plus résistants. Les voies de secours. Rani, je vous accompagne. Je dois vous protéger. Davy, c'est un ordre. Quoi, pour garder les docks? Des alphas, ouais, un peu. Si je ne m'affabule. Putain, je peux pas y aller tant qu'elle a pas fini d'escalader. Ah, alors oui, ici, je crois qu'on s'emmerde. Je vous le dis, hein. Là, on est dans la partie un peu nulle du jeu. Forcément, on est avec des rebelles, on n'a pas notre équipement stylé. Restez sur vos gardes pendant que je fais monter la plateforme bon. Avec la manivelle. Moi, un jeu où juste tu butes des loups-garous et puis... pas plus loin. Et puis, genre, tu fais partie de l'ordre et tout. Sans le délire, il y a une taupe, ça aurait été cool aussi. Aidez-moi. Je vais jeter un coup d'œil. Bon, on serait peut-être fait chier au bout d'un moment. Il y a beaucoup de gardes. Je suis en train de penser. Nous devons faire vite. Oh, les brassards qu'elle a, comment c'est trop stylé. Ces gants et tout, les motifs. Qu'est-ce que tu veux? Encore? Tu veux que je te soulève encore là? Coquine. C'est pas le moment, hein. Oh putain. Quel boss. Vas-y, je te lâche. Ah bah, trop court. Ah, dommage. Je suis vraiment un connard. Pardon, c'était trop tentant en vrai. Ah, oh, trop court. Non, je rigole. Il te laisse bien le temps en plus. Oh merde. Les intrus sont ici! Mettez leur Hastings en lieu sûr! Bon bah, pam pam boum boum! Oh bordel, oh non, pas lui, hein! Hein? Oh, lui va être chiant, lui!
c'est bon, on l'a eu. Oh, les quickscopes que je rentre là. Homme de la compagnie à terre. Oh, il y avait le... On pouvait viser sur le côté. Trop bien. Rainbow Six avant l'heure. Merde. Merde. J'ai pas assez joué à Sniper Elite par contre. Il est où? Il me redonne pas de balles là, eh ouais, je m'en doutais. Bim! On va changer d'arme. T'as ce triangle pour changer d'arme, c'est quand même assez bizarre. Enfin, pour en ramasser une nouvelle. Bon, c'est toujours mieux que Carrie, au moins t'es pas obligé de recharger et te tromper. On aurait fait ça dès le début. Sur tous les jeux. Aïe, ok. C'est vrai qu'il y a un sniper. Il est où ce con? Ah mais là je vais en chier hein. Ah, touché. Voilà. Personne sur le pont. Il faut avancer. Entendu. On devrait atteindre l'autre côté en passant par en bas. Oh, c'est quoi ça? Ça sort d'où ça? Dépêchons-nous de descendre. Oh, oh bah non. Merde. Je pouvais lancer des mines. Et les faire péter en plus. Oh merde, j'ai loupé une arme du jeu. Bon bah dites-vous qu'il y a des ennemis. Wouah, trop bien, et putain, on peut les faire péter et tout. Ah ouais. Bon allez. J'ai hâte de faire le con. Pardon, oui. Ah bon, il y en a encore. Merde, j'aurais pu vraiment tuer quelqu'un. Non mais y'a plus personne là. Il fout le rebou le jeu. Mais descendre où? Ah, ah oui, c'est vrai. Mais ouais, moi je kiffe les chapeaux melons. Enfin non, c'est quand même l'air con. Non mais les hautes formes, c'est quand même cool. Ils ont une certaine classe, les British là. J'aime bien. De toute façon, il n'y a pas assez de jeux qui se passent à Londres. C'est trop dommage. Je kiffe Londres. Après, y a pas assez de jeux qui se passent à Paris non plus. Oh, ah bon, on en récupère un. Oh merde, j'aurais pu avoir plus de balles. Y a personne là. Bon, on va la garder, vas-y. Oh, mais ce. Ce couteau de boucher qu'il a. Il monte à bord du bateau. Soyez prêtes. On va devoir forcer le passage. Merde, comment je vais leur tirer dessus, moi? Ok. Ok, bah je m'en doutais, mais c'est de la merde. Oh, ça va en fait, ça va one shot. Aïe. Joli ça. Garde neutralisé. C'est quoi son pistolet là? Oh, ah non, j'ai cru que c'était le pistolet de Perceval. Non, c'est l'espèce de fusil à pompe là. Oh, comment tu parles? Comment tu sais déjà? Comment tu sais ça? Putain! Arrête de bouger, comment tu veux que je te tue?
neutralisé. Je suis un peu haut. Il te manquait un bout, toi. Marrant, ça. D'autres gardes descendent de la rampe. Allez, le petit bullet time, là. Ah, Red Dead Redemption. C'était bien, hein. En plus, il recharge l'arme. Ça, c'est un bon gars. Mais non, j'en veux pas de ça. Moi, je veux la petite grenade, là. Elle est où? Là. Refaites-nous un petit crochetage, là. C'était marrant, les crochetages. Vas-y, bah, bisous, Nukti. Jolie collection d'armes. Cela n'a rien de surprenant. La compagnie exporte des munitions partout. Oh, c'est l'arme. Oui, c'est l'arme. Il faut que je la prenne. Bah, y'a rien loup-garou, là, je m'en rappelle. S'ils nous donnent l'arme, là, en même temps, c'est pour les repousser. Ils sont pas cons. Hein. Ce qui serait con, c'est de pas la prendre. Oh oui. Ça ne vous étonne pas du tout ? Que des gardes devant surveiller des caisses soient armés jusqu'aux dents. Épargnez-moi vos conjectures. Trouvons ce pourquoi je suis ici. Vos conjectures? Non, mais celui-là, je l'ai, voilà. Par contre. À mon signal, il faudra me couvrir. Plus personne. Cela n'annonce rien de bon. Ah, quand je vois des revolvers comme ça, faut trop que j'essaye un showdown. On essaiera peut-être après. Bon, maintenant l'épreuve. Mais si j'essaye tout ça, je vais me faire défoncer. Je sais pas si j'essaye tout seul. Non, je ferai peut-être un autre jeu en attendant. Je sais pas sur quoi on va aller après. Parce que je vais restreamer un autre truc. On l'a bientôt fini le jeu. Inspectez tout. Cherchez une marque distinctive sur les caisses. Les caisses que nous cherchons portent l'insigne de la compagnie sur les côtés. La marque de la compagnie. Celle-ci est marquée. Doit être rouge. Mais elle est bien trop haut. Trop aussi. On doit en trouver un compagnon. Un qu'on peut atteindre. Aha. Là, c'est sûrement ce que nous cherchons. Aidez-moi à le descendre. Ouh, la texture de la caisse, par contre, bon. On est en 2015. Bien de biche. Je pense qu'ils ont utilisé la même texture pour faire les portes dans Final Fantasy VII Remake. Ouais, les portes, elles m'ont choqué. Hein. Moi, c'est tout ce que je retiens du jeu. Rien à foutre de l'histoire. Moi, j'ai retenu les portes dégueulasses. Oh, des vampires. Les hybrides renforcent leur pouvoir. Grâce à la protection des lycans sur votre territoire, Hastings et ses amis vampires cherchent à infecter tout. Hastings ne peut pas être l'un d'entre eux. Nombreux sont ceux à Whitechapel qui ont aperçu votre noble lord au cœur de la nuit, errant à la recherche de pauvres femmes. Les victimes de l'éventreur. Vous les appelez ainsi. Et comment croyez-vous qu'ils soient toujours parvenus à passer au travers des mailles du filet du commissaire Doyle ? Whitechapel est maintenant devenu leur terrain de chasse. Ah,
Combien d'autres y en a-t-il? Assez pour infecter une ville. Ah! Nom de Dieu. Oh merde. Nous devons détruire cette cargaison. Faut raser le hangar carrément. J'ai trouvé du carburant. Ah, faut un truc thermite là. Non? Moi aussi je peux faire joujou là? Non, faut que je la regarde. Ah! Je mets le feu. Ah non, ici. J'ai un briquet. Oh wow! Oh, le feu par contre il est bien fait. Wow! Ah ouais, ils ont géré. Celle-là est prête. Ouais, enfin bon, là on en a buté que 4, hein. Il y en a je sais pas combien. Terminé. Par ici. Regarde tout ce qu'il y a là par exemple. Oh, le chargement. Venez m'aider à monter. D'accord. Oh là là. Là par contre ça s'est vu les gars. Je vais trouver de quoi vous faire monter. Il y a une échelle ici. Ah, elle la pose bien délicatement, elle prend soin de moi. C'est bien, femme. Sinon, il y a des grenades. Très bien. Oh. Mettez le feu à celle-ci aussi. Oh, j'ai bien fait d'arrêter hier parce que, franchement, ce serait fait chier. C'est bien de le faire en deux fois, le jeu. Passons aux suivantes. Entendu. Allez, chargez-vous du reste des caisses. Je m'occupe d'eux. Oh là, le son de cette arme. Oh putain, je loupe des balles, ça dégoûte. Moi aussi j'en ai une. Oh genre elle est tombée moi. C'est de la merde les grenades dans le jeu. Homme de la compagnie à terre. Dernier chargeur. Il y a d'autres caisses. Alors descendre. Ah, grenade. Des grenades nulles. Oh là là, une sortie de musique à la God of War là. Pendant que je mets le feu aux caisses. Le
presse. Eh ben, fais plus vite. Oh, mais sérieux? Mais je suis mort là. Mais putain! Il tire trop ce con. Ah, pas là, pas là. Oh le bâtard. Ah ouais. Ah, ils sont chiants les ennemis là. Ah, les blindés là, c'est vraiment pas fun. Ah là, quand ça va me casser les couilles. Voilà, on est quand même mieux ici. Mais putain! Il est increvable ce connard! Mais sans déconner! Mais putain! Mais. C'est vraiment de la merde! C'est pas intéressant de les combattre, les blindés! C'est même pas tu joues différemment, c'est juste faut plus de balles! C'est de la merde! Ah putain. Cette zone est en flammes. Je passe à la suivante. Cœur de terre. Allez. Mais putain, je pouvais encore tirer, je comprends pas ce délire. Oh, mais sans déconner. Oh putain, c'est en train de me saouler. Thank you.
sont tellement nuls à chier ceux-là par contre. Ah là là, il va me shooter du connard. Barre-toi. Sans déconner, il en faut combien ? Eh putain, allez. Oh la vache. Infâme ce passage, vraiment. Ah le bâtard, il est quand même stylé. Coup de couteau là. Ouais aussi. Ah les licans, ok. Avec ça, mais genre d'où? Oh ouais 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 ouais. Putain, mais l'effet il est vraiment stylé. Ça c'est vraiment réussi. Un de moins. Mais putain, bah oui. Forcément, je le vois pas. Vas-y, viens, bâtard. C'est un vicieux, lui. Lui, je l'aime bien, lui. Oh, comment je l'ai séché! Non, il me faut des balles avant. Rani, ah putain. Je suis heureuse de t'entendre. Êtes-vous blessée? Non, pas encore. Mais fais vite, force la porte. J'arrive, Rani. Putain, j'ai paniqué, j'ai fait R1 au lieu d'R2, mais ça a quand même compté bon. Comment as-tu fait ? Le temps presse. Les forces de la compagnie sont au chantier naval. Prenons la fuite. Chevalier, nous n'avons plus le temps. Quittons cet endroit. Il est pas mort. Ah si, peut-être. Maintenant, quand ils sont morts, ils se retransforment en humains. Cette horreur doit être portée au conseil. Faites bien attention. La compagnie n'aurait pas réussi sans soutien influent au gouvernement. Vous avez pu voir sur les quais que même vos rangs ont été infiltrés. Si c'était bien le cas, alors j'aurais eu des... Cette guerre nous a opposés aux hybrides. Ils utilisent la United India Company pour semer la terreur dans le monde entier. Il faut nous aider. Je suis un chevalier.
Je me dois de protéger le royaume, pas de provoquer sa chute. Ne vous fiez à personne. Bonne chance, chevalier. J'aurais aimé vous rencontrer en d'autres circonstances. Où dois-je vous trouver ? Dites mon nom à Whitechapel, et je viendrai. Ah, là, on va retourner dans l'ordre. Voilà, là, j'aime bien. Confrontation, chapitre 10. Qu'est-ce qui se passe, bon sang ? Pas maintenant ! Ne me tourne pas le dos ! Je t'ai vu à Whitechapel ! Quoi ? Tu m'as suivi ? Je m'inquiétais pour toi. T'as couru comme un dératé après la bataille du pont. Tu ne sais rien. Rien du tout. Est-ce une opération d'infiltration clandestine ? C'est ça qui m'y gêne. Ce n'est pas le moment. Greg, qu'est-ce qui t'arrive ? Depuis la mort de Mallory, je te regarde et je... Quoi ? Qu'est-ce que tu vois ? Je sais pas. Un étranger. Quelqu'un à qui j'ai peine à faire confiance. Quoi que ce soit... Je t'en prie, dis-moi. Pas cette fois, Izzy. Tu devrais rester loin de moi. Pour ton bien. Vous ! Trouvez Lafayette et dites-lui d'aller à la bibliothèque. La conspiration est ancrée au cœur. Oh, ce plan de caméra. Trop stylé. Ces allégations sont effroyables. Je refuse de les croire. Si le grand chancelier m'y autorise, je peux... Je suis très déçu. Je vous interdis d'évoquer ces soupçons ridicules. Je connais ton père depuis des années. Jamais je ne l'ai vu si obstiné. Ces allégations visent le cœur même de l'Empire. Je ne pourrais supporter une épreuve aussi dure que la perte de Mallory. Il faut vraiment qu'il se rende à Blackwall Yard. Quel est l'intérêt ? La destruction est totale. Un incendie criminel, d'après le commissaire Doyle. Apparemment, un groupe de rebelles aurait été aperçu sur les quais. Tout semblait... Quel est ce mot qu'affectionne tant le commissaire ? Ah oui, élémentaire. Et toi, qu'est-ce que tu crois ? Je n'ai aucun avis. À la limite, je pourrais convaincre le grand chancelier de porter l'affaire devant le conseil. Si nous avons vraiment un traître dans nos rangs, les conspirateurs finiront par l'apprendre. Que suggères-tu ? Profitons de la nuit pour nous introduire dans la United India House. S'il y a des informations révélant la vérité sur les derniers événements, c'est là qu'elles se trouveront. Pénétrer dans le quartier général de la compagnie. Mallory et toi êtes vraiment identiques. Comme on dit aux grands mots, les grands remèdes. J'apprécierai ton aide, Alastair. Je doute qu'il soit convenable que le chevalier commandant soit vu. Tu connais très bien les lieux, et j'aurai besoin que tu me guides au cœur de la United India House. Si nous trouvons la preuve d'une conspiration, ton témoignage pourra convaincre ton père. Très bien. Si nous comptons infiltrer le complexe, nous ne pourrons le faire seuls. Si ce que tu dis est vrai, nous ne pouvons compter sur grand monde. Ma sœur, Lafayette... Je ne les implique pas sans avoir plus de preuves. Qui d'autre ? Je sais exactement qui peut nous aider. Merci, mon frère. Qu'est-ce que je kiffe ce jeu ? La United India House est proche. On ne va pas passer par la porte principale ? N'aie crainte. Nous avons préparé cette incursion. Même si accéder à ce complexe s'est révélé plus difficile que prévu. Chapitre 11. Voilà. Une entrée derrière le complexe. Si on veut, oui.
Ah là là, j'ai l'impression d'être dans Dishonored, quoi. C'est trop classe. Le matériel est sur cette table. Vous accéderez au toit par la chambre. Beau travail, Francis. À votre service, messire. Ok, moi je peux y aller, hein. Francis a servi dans les forces du Commonwealth. Stylé. Oh, une belle bête. L'arbalète. Que de souvenirs. Pas des plus récents. La discrétion est de mise pour cette mission. Vas-y, rends pas ça encore plus bizarre que ça l'est déjà. Des patrouilles quadrillent la zone la nuit. Il y a des gardes aux entrées. Et le point d'incursion ? Les jardins. Ils offrent assez de couverture pour ne pas être vus. Suis-moi, il faut atteindre les toits. Viens, mon frère, par ici. Et si je descends par là ? Ah, je peux pas. Ah, ils ont tout prévu. C'était sûr. Ça va. Oh, on a une belle vue. Oh là là. Je sais pas ce qu'on fera après que The Order. J'avoue que j'ai un peu perdu la motivation pour refaire du Death Stranding, là. Les informations de Francis sont vraies. On peut faire confiance à cet homme. Pas vraiment. Il a une dette à payer. S'il n'avait pas tenu sa promesse, il en aurait souffert les conséquences. Il nous faut un point d'ancrage dans le jardin pour y attacher la corde. Voilà une entrée spectaculaire. Peut-être, mais on pourra pénétrer les lieux sans nous faire peur. Le belvédère répond aux critères. Bien, déployons la corde. C'est bon. Après, quand je stream Death Stranding, je fais vraiment que l'histoire, donc il se passe des trucs. Je te ferai signe d'entrée. Entendu. Je fais pas les livraisons secondaires chiantes en stream. Ma sœur ne me le pardonnerait pas si je revenais seul. Ce qu'elle ignore ne peut lui faire de mal. Je me rappelle que c'est assez chiant là. J'ai cru entendre quelqu'un.
Oh. Oh là là. On a tué combien de mecs là, sans déconner? Nous n'avons plus le temps à la sphère. Fais-moi confiance. C'est le seul moyen. Bon sang. Rends-toi au jardin intérieur. La grille sera déroulée. Il te faudra trouver la clé. Ah, mais je peux en tuer à l'arbalète sinon. What? Oh putain! Je sais pas si c'est une bonne idée. Surtout qu'il reste déjà que deux carreaux. Oh, ce que ça me rappelle, c'est le passage hyper chiant dans Mafia 1 Remake, dans les jardins là aussi. Oh là là, putain, qu'est-ce que c'était de la merde ce passage. J'ai failli arrêter le jeu à cause de ça. Puis même Mafia, il était pas ouf. Hein. Oh putain, ok. Je regarde même pas s'il y a des mecs à côté ou quoi. J'ai plus de flèches. Oui, il y a Pifiu là, je pourrais le streamer celui-là aussi. Mais c'est quand même un délire spécial. Ah, puis il est en anglais. Pff, ah ouais, j'avais oublié ça. Ah, je peux pas monter là. C'est de la merde. Je peux même pas escalader ça là. Comment je fais là? Je vais... Oh putain. Fin du game là, je peux rien faire, je suis bloqué. Il va peut-être pas me voir, avec un peu de chance. Aïe aïe aïe, je sais pas pourquoi je le sens pas. C'est bon, ça passe. Il marche vraiment lentement exprès, hein. C'est un truc de fou. Ah ben voilà. Oh bah ça alors. Quelle coïncidence, c'est le dernier mec que je tue qui a la clé. Alors ça, c'est marrant des fois, hein. Les coïncidences. Faut que j'aille où? Crochetage. Ah bah non, j'ai la clé, je suis con. Oh, comme il ouvre la porte, c'est trop stylé. Je viens d'entrer. J'ai toujours pas de flèche.
l'as déjà fini combien de fois? Bah je crois que je l'ai fait deux fois pour le platine. C'est la troisième. Mais bon, ça compte pas vraiment, enfin... Oui, je l'ai fait deux fois, mais... Vu que c'était dans la sortie du jeu... Puis même pas, je sais même pas si je l'ai fait deux fois, c'est juste qu'il me manquait un collectible. Oula. Et du coup, je suis allé jusqu'au dernier collectif qui me manquait. Faut peut-être pas que je cours derrière lui. C'est une mauvaise idée, ça. Après, je crois qu'il y avait un trophée, c'était le finir en difficile. Bah, c'est le trophée que j'ai eu direct, quoi. En même temps que j'ai terminé le jeu, je l'avais direct fait en difficile. Il est où? Ok. Charge-toi de l'aile ouest. Je prends la partie est. Il vaudrait mieux couper toute communication. C'est vrai. Tiens. Rendez-vous à l'intérieur. Ok. Ouais, mais je regarderai après, gros. Oh, petit crochetage, là. Allez. Oh là là, je deviens un pro. Comme il est chum, le gamin. Oh là, oh là là. Oh, sa mère, j'ai eu chaud. T'es un fou, toi. Fais pas des dingueries comme ça. Personne? Non, il n'y a personne. Après, là, je suis quand même en train de buter des mecs que juste qu'on soupçonne, quoi. C'est peut-être un peu radical, tout ça. Oh, putain. Je suis chaud. Ah, je m'attendais pas à ce qu'il y ait un mec là, quoi. Te retourne pas, bâtard, te retourne pas. Voilà. Oh là là, il y en a tellement. Non, ça c'est juste une lampe. La caméra des fois elle est beaucoup trop près du perso, tu vois rien.
c'est un vrai problème. Je peux le buter là, non? Ouais. Bah voilà, il n'y a même pas besoin de tous les buter en fait. C'est n'importe quoi les objectifs. Oula! Eh ben, ma belle. Preux chevalier. On dirait que j'arrive juste à temps. On dirait oui. Il n'est pas dans mes habitudes de laisser un garde avoir le dessus. Vous êtes venu seul. Davy et Finlay sont ici. Ils se chargent des autres gardes. Et vous? Je ne voulais pas impliquer les autres, mais l'un d'eux est avec moi. Peut-on lui faire confiance? Oui, absolument. Très bien. Et maintenant? Rejoignons-le et allons vers la salle des archives. Allons-y. C'est parti. Ah, ok, je l'avais pas vu lui. T'as la balle que j'ai pris. Bon. On va peut-être aller de l'autre côté du coup. Non, on peut même pas, putain. Ah, il attend. Il attend de mourir, lui. Comme vous pouvez le voir, on a dû faire face à la résistance. Ils sont là-bas. Nous avons trouvé une entrée. Une fois en place, on utilisera la diligence pour accéder au balcon. Chevalier, aidez-nous à la mettre en place. Allez. Ou les textures là sur les roues, j'ai vu aussi. Hein. J'ai vu. Ça dégueulasse. Davy, non. Il faut que tu restes. Rani, je dois rester à vos côtés. Tu y seras toujours. Et lui et son complice. Fais-moi confiance. Ignores-tu à quel point tu comptes pour moi? Ah, mais les visages, par contre, c'est un truc de fou. Pourquoi me rejetez-vous? J'ai besoin que tu continues notre combat s'il m'arrivait quelque chose. Ne dites pas ça. Davy, vous vous méfiez de moi, mais je vous promets de protéger votre reine. Je vous dois bien cela. Vous avez intérêt. Je vous déconseille fortement de la décevoir. Allez. On est repéré, bande de cons. Ils sont où? Homme de la compagnie à terre. Thank you.
Ok. D'autres gardes. Garde neutralisée. Entrons avant que d'autres gardes n'arrivent. Allez. Attention, oh. Des tireurs juste oh là. Putain, c'est tellement beau. Oh non, mais pas eux. Ils sont tellement chiants, eux. Oh là là, mais ils sont deux en plus, putain. Continuez comme ça, je m'avance. Ouf. Chef, il y en a d'autres qui arrivent par l'arrière. Par en bas également. J'en charge. Hop. Ah oui, y a du monde. Oh putain de merde. Je vois rien, c'est trop flou. Voilà, bon. You. Okay. Je crois bien que c'était le dernier. D'autres vont arriver d'un instant à l'autre. Il faut avancer. Allons-y. Papa. Oh, un audio. Très cher Jacob. Notre ami commun a estimé sage de prendre contact avec vous avant mon arrivée en Angleterre. Bien que les débuts de notre projet aient été difficiles, j'ai le plaisir de vous informer que tout est désormais en bonne voie. Les autorités locales se sont montrées particulièrement conciliantes et je doute qu'elles nous posent problème dans un avenir proche au vu des sommes versées. Certaines factions isolées au sein du Commonwealth indien opposent encore une certaine résistance face à notre personnel. Bien que la plupart de leurs actions se soldent par un échec, certaines ont néanmoins occasionné des dégâts matériels difficilement réparables. Nous avons bon espoir que tout sera bientôt sous contrôle. J'espère sincèrement que de votre côté, les Indiens ne vous posent plus trop de problèmes. Je me réjouis de vous revoir dès mon arrivée. Ok. Ah, on sort la Switch. Oula, c'était juste... Ah, merde. Oh putain, c'est quoi ça? Oh oui.
On s'en fout. Oh, il y a des balles. Parfait, ça. Qu'est-ce que vous attendez? Mais oh, et ça va. Lucan, ne tire pas! C'est Lakshmi Bai, le chef des rebelles. C'est donc ta complice? As-tu complètement perdu la tête? Je pourrais poser la même question. Si je me fie aux apparences, je penserais que tu m'as tendu un piège. Que vous avez l'intention de m'arrêter. Pas le temps de nous chamailler. Elle était là alors que nous avions bien besoin d'aide. C'est de la folie. Tu mets l'existence de l'ordre en danger. Alastair, tu dois me faire confiance. Tu as exigé de nous des preuves. Elle était avec moi à Black Hole. Elle a vu ce que j'ai découvert. Autrement dit, elle t'a aidé à détruire les quais de la United India Company. Mon père avait raison. C'est bien un acte terroriste. Elle t'a utilisé. Elle m'a ouvert les yeux sur cette conspiration. Et si nous voulons réussir, son aide sera cruciale. Et si jamais tu te trompes? Alors elle et moi répondrons de nos actes. Et subirons les conséquences. Tout comme Mallory. J'espère que t'as raison, Gray. Je n'aimerais pas te voir faire les frais de cette histoire. Moi non plus, mon frère. Oh là là, les vêtements, ils sont trop stylés! Je kiffe! Je sais même pas qui est qui là. Allez, montre-toi, connard. C'est vraiment la meilleure arme du jeu, celle-là. C'est bon.